Bonjour, le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Un homme qui est prêt à mourir, prêt à mourir. Un homme qu'on appelle volontaire. Qui sait servir et sait mourir et sait mourir. Que m'importe cette vie, pourvu qu'elle serve à mon Dieu. Explorateur. Cette vidéo n'est pas un exemple à suivre. Les risques énumérés sont réels et le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ne mettez pas votre vie en danger pour rien. Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella. On va voir le gros portail. Ouais. T'as pas vu comment c'est. T'as un chemin ici qui mène au grand bâtiment, mais qu'on passe par après. On passe par où là, voir le dessus? On va pas, faut monter un peu une espèce de montagne. Ah ouais, d'accord, faut pas l'escalader. Eh ben, l'entrée directe là. D'accord. Ouais, c'est impossible d'entrer. Et là, t'as des cellules. En fait, c'est les cellules. Et on rentre par où officiellement là? On va monter. Attends, écoute. Si t'as un bâtiment, si tu veux, tu peux rentrer ou comme ça. On le fait à la fin vu que c'est la finale. C'est la finale. Bah écoute. On fonce vers le bâtiment principal et après. Là où il y a le plus de danger. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve au fort du. Au Buc. Voilà, bah écoutez, un nouvel environnement à visiter. Plein de belles choses prometteuses à. Je le répète une fois de plus. Ouais. Histoire, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau historique, deux, trois conneries? Bah, au niveau historique, moi j'ai été quatre fois, donc là c'est la cinquième. Ouais. Je sais que le fort il a été construit en 1879. Il servait pour protéger la France quand il y avait des armées prussiennes. Mmh. Voilà, donc c'était un des 18 forts qui ont été construits. Dont des redoutes et des batteries en plus, et tout ça c'était, on l'appelle la ceinture de fortification de Paris, voilà. En sachant que ce fort il est toujours exploité par les militaires, ouais. Là apparemment notre cher collègue est au courant du lieu, de ce qui se passe, voilà, et là il n'y a pas de militaires, il n'y a rien. J'ai un peu flippé au début, en toute honnêteté avec vous, pour rentrer dedans. Bon, dans tout urbex que je fais, j'ai toujours flippé, c'est normal, t'as toujours une part de peur, d'appréhension, tu sais pas sur quoi tu vas tomber, s'il y a des flics, s'il y a des... Bref, voilà. Donc en images, en vidéo, comme d'habitude, vous savez comment ça se passe chez moi. Et puis on fera de la pub pour la conclusion pour cette demoiselle qui est ici présente. On fera beaucoup de pub, c'est clair ou pas? Allez, go. 820 personnes pour du coup 50... Hôtel combien d'étoiles? C'est pas un hôtel, monsieur. Bon, ça peut s'organiser un week-end là d'ici. Hein. Ah bon? Non. 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 Quand même. Excusez-moi, moi je travaille pour Stéphane Plaza. Je suis pas. Désolée, je suis pas hôtesse d'hôtel. Qu'est-ce que vous foutez là alors? Ah, mais. Non, mais j'essaye de vendre quand même ma demeure. Voilà. Oh donc, putain, quelle belle demeure. Hantée votre demeure ou pas? Vous,
Non. On n'ira pas jusqu'à là. Non. 820 hommes pour 56 pièces de 46 mètres carrés chacune, voilà. Ah, quand même. Donc, non, je déconne, je connais pas les mesures de... Voilà, moi je suis là pour te dire combien il y a de pièces pour que t'achètes, c'est tout. On va plutôt éviter. Ça va profond. Et dis-toi que ça, je l'avais même pas vu. Ça, je l'avais pas vu. On va par où, là? Tout droit. Voilà, c'est ici que les militaires font leurs essais. Ah, s'il y a des balles, c'est ici. Tu peux éteindre. Gros don, regarde, là, c'est rouge. Voilà, la petite anecdote. J'ai l'idée de casser une marche aussi. Et qui casse tout? Non. Des restes de bouffe. Un appart, un immeuble. Voilà, non. Tu vas voir, tu vas comprendre. Tu prends un paquet là. Mais ils ont dégagé plein de trucs avant, il y avait pas mal de choses. Et c'est super parce que c'est vraiment dans la nature, c'est le genre d'endroit que. Mais ils ramassent les balles, j'ai l'impression. Hein. Il y a moyen. Parce qu'avant, quand on était allé, il y en avait plein et ils étaient en train de faire des essais militaires. Après, c'est possible, c'est probable, je vais être mensonge. Je me demande s'ils ont pas fait un stand de tir derrière. On va aller voir après. C'est possible. Oui, bien sûr, je pense qu'ils ramassent pour pas polluer. Un lion? Ouais. Ah ouais, là au bout. Okay. Hey, c'est Kenzo. Quoi? La marque du lion, c'est pas Kenzo? Si, mais c'est pas Kenzo. Oh, il y a des... Franchement, il y en a qui sont pas mal. Ah ouais. Réservé aux homosexuels. Oh bâtard. Attends. Popper disponible à l'accueil, 5 euros. Les bâtards. Y'a pas salle pour les putes aussi, tant que tu y es. Ah bah ce serait cool, franchement. Imagine, on la fait. MDR. J'en peux plus. C'est lourd, hein. Hmm? Il y a un truc, c'est Ghost K. Genre en mode ça ressemble à ma chaîne. Ah ah. Je fais des efforts pour pas passer pour une. Tu vois, ouais, bah.
Après, faut pas repousser ses limites. T'es pas capable, ou je suis pas capable, ça s'arrête là. C'est ça, genre moi par exemple, ce qui m'a débloqué pour Space Mountain à Disneyland, c'est mes potes. Si j'avais été seule, je l'aurais pas fait. Mais j'étais avec mes potes, du coup, j'ai osé. Ok, on va passer par là. Ah, ça fatigue. Ah, j'ai fait mon sport là, ce soir salade, j'ai perdu 3 kilos. Et quoi, salade de smoothie. Et continue comme ça, tu vas voir que tu vas être fier de toi. Chaud ou pas chaud? Tu veux descendre? Vas-y, donne la lumière. Attends, juste que j'appuie d'abord avant que tu me donnes. Ouais, nickel. Ok, je vais filmer. Attends, ce que ça donne juste ici. Tu peux me filmer vite fait? Non, mais avec ça. Putain, c'est trop fort. On descend. ouais. Putain, si t'as envie de faire les catacombes, hein, tu vas 50 mètres sous terre, les catacombes. Faut pas être trop fort. Et moi, je suis dans une simple posture. D'accord. Ok. Ah, je pense que ça va, on va se retrouver. Ouh. Des tunnels qui n'en finissent pas. Oh, la fraîcheur. Regarde. Ouais, des tunnels qui s'en finissent pas. Oh, y a un ascenseur. Ouais, je l'ai vu sur un YouTube, ça. Oh, il y a encore un truc qui descend plus bas. Mais je t'ai dit, il y a des souterrains de tarés. Bah, on y va. T'es sûr? Oui. T'as peur, moi? Mais si. T'as peur de trouver quoi? Un clou d'eau? Non. C'est labo. Tu vas pas me dire qu'il y a un autre sous-sol? Ça me donnerait pas. Non. Là, c'est... Oh, nique sa mère. Ouais, et la suite. Fuyez. Eh ben, non, je ne fuirai pas. Non. Pas pour le moment. Je suis pas trop pour. Pour fuir. Donc du coup, petite histoire, j'ai été ici déjà il y a un moment. Donc l'année dernière, je suis venue seule, donc complètement seule. J'ai pris quelques photos, il était vers les 18h, quelque chose comme ça. Et il faut savoir que quand j'ai pris une photo, au moment où j'ai pris la photo, mon téléphone s'est éteint. Alors que mon téléphone était neuf, j'avais aucun souci avec ce téléphone-là et j'ai trouvé ça bizarre. Donc j'ai pas trop flippé parce que bon, je suis pas hyper peureuse à ce niveau-là. Mais du coup, j'ai regardé la photo après avoir rallumé mon portable et il y avait un léger bug juste en haut de la photo et en zoomant, je vais mettre des photos juste après, en zoomant, je sais pas si certains verront, en zoomant dans une des fenêtres, on voit la tête d'un petit garçon, j'ai dû la bleuter pour que ça ressorte mieux, après je sais pas si c'est la qualité de mon téléphone, ça, sachant que c'était un Galaxy S5 qui prenait quand même des photos pas trop dégueulasses, donc la fenêtre c'est celle qui est juste ici. Tu m'as dit là-haut, là-haut hein. Ouais, c'est cette photo, c'est cette fenêtre-là. Du haut, tout en haut, et j'avais vu justement, et on aurait dit un peu que il y avait un petit garçon et quelqu'un derrière, mais le quelqu'un derrière, je suis pas encore très très sûre. Et j'avais fait une autre photo, toute autre photo, juste là, la porte qui est juste là. En gros, la porte là, vous la voyez ouverte, et moi j'étais placée là-bas, là où il y a mon doigt, l'arbre qui est ici, j'étais placée là pour prendre la photo. Donc, écoute Aristote, je vais te montrer. Juste là, tout au fond, vers le fond, là où il y a l'arbre, juste ici, là, celui-là. Mmh. Tout au fond. J'étais placée là-bas pour prendre cette photo. Et la porte, vous la voyez ouverte, là, celle-là. Et ben, figurez-vous qu'en fait, de base, la porte, elle était refermée. Donc, la porte, quand elle était passée, elle était comme ça. Et quand j'ai pris la photo, je me suis rendu compte qu'en fait la porte elle était de base pas fermée. Et elle s'est. Du coup, bah en gros, elle était ouverte et elle s'est. Comment expliquer ? Elle était fermée. Elle était fermée de base, mais elle s'est ouverte. Et quand j'ai pris la photo, j'ai vu comme une sorte de silhouette de. Style silhouette de petite fille. Et vraiment toute petite miniature avec. Flippant l'affaire.
Ouais, avec une sorte de voile. Et elle avait l'air à genoux en train de prier. Et la porte, avec la luminosité, ça formait vraiment une croix. Genre la croix juste comme ça. Et franchement, c'était quand même flippant. Je vous mets les photos juste derrière, comme ça vous allez le voir. Vas-y. Éclaire un peu les murs, tout ça, s'il te plaît. Bien calme. C'est beau quand même. Moi, franchement, je me sens trop bien ici. Ouais, c'est beau. Écoutez, en dessous de moi, il y a le fort. Bon, elle fume une clope. En dessous de moi, il y a Tess. En dessous de moi, il y a Tess. Ça pouvait être interprété bizarrement aussi. En dessous de moi, pas très loin par ici, voilà. Ici, voilà. On a compris. Ouais, on a pris des photos. Tu leur as montré ? Quoi, les photos qu'on a prises ? Un chat. Oui, bah ça, ouais, c'est classe, hein. C'est classe, y a pas d'autre mot, on kiffe et on reviendra. Pour deuxième partie, officiellement, parce qu'une petite panne de GoPro, bon, ça fait longtemps qu'elle est en panne, mais je comprends pas, carte SD, erreur carte SD, je sais pas ce que c'est, j'espère que c'est réellement la carte SD, que c'est pas autre chose, parce donc, que la machine à 600 balles, ouais, ça fait mal. C'est ça, donc du coup, ce sera plus complet la prochaine fois. Ah ouais, ça sera plus complet, parce que ça sera sur mon crâne, et puis ça filmera dans long, en large, en travers. Et je pense que ce sera fait ce mois-ci. Oui. Ce mois-ci. Oui. Voir vraiment avant déjà, le 10 septembre. Tu reprends les cours toi après? Le 10, ouais. Mais tout ce qui est entrepôt, ça ce sera dans la deuxième partie de la vidéo. C'est la fameuse colline que tu me parlais? Oui. Oui et non. Tiens, il y a une fenêtre là-bas. Ouh. J'aime bien les lieux comme ça. On va juste voir ce que c'est. Oh, bon. On va même pénétrer à l'intérieur. Ouh. Ne parle pas de pénétration. Ouh, merde. Ah, c'est quoi? C'est... Ouais, bah, c'est la première règle en urbex, hein. C'est ce que... Déjà, regardez où tu marches, hein. Non, c'est quoi? C'est un rêve, c'est quoi? C'est putain, quand t'as fait ton... C'est un truc bizarre, arrête. Non, je te jure. C'est ma voix de PD, fais pas chier. C'est ta voix de PD, fais peur, moi. Ouh, défense de fumée. Oh, mon Dieu, c'est quoi, ça? Où ça encore? Bah, tu veux pas voir là? Il y a des trucs sombres. Ouais, trop bien, il y a des trucs sombres. Tout ce que j'aime. Ok, donc Aristote, il est parti. Là, je sais pas c'est quoi son problème, mais là, il va faire le con. En gros, il veut monter au niveau des fenêtres et il veut passer d'une fenêtre à une autre. Parce que son pote l'a fait, que c'est un bonhomme et je sais absolument pas où il est. Je crois qu'il est en train de monter au niveau des escaliers. J'espère qu'il va pas se péter la gueule parce que ça va être bien compliqué. Il est là. Mais où est-il? Mais où est Aristote? Il est là. Il est là, mais... Ok, c'est parti. C'est chaud, quand même. Vas-y, tu peux le faire. Comment? Vas-y, tu peux y arriver. Oh, mais ça va. Quoi, ça, ça va? Bah, ça va. On va vite fait, hein. En direct, le magnifique cul d'Aristote. Tu pourrais faire ça du deuxième étage? Non. Pour toi aussi, c'est ça? Oui. Nickel. Putain, ça fait haut quand même, hein. Oh mon Dieu, il l'a fait! Mesdames et messieurs, oh là 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 là, il l'a fait! Il l'a fait. Roméo! Ah, mon Roméo, pourquoi es-tu? Mais reviens! Je suis là. Oh, Roméo! Ah. Toi, mon Roméo, pourquoi es-tu, Roméo? Attends, tu veux que je descende? Ah merde, c'est l'inverse là un peu. Bah, logiquement, ouais. Oh, Juliette! Allez!
Je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Que le Soundé Jacaporal et serions bientôt général. Que le Soundé Jacaporal et serions bientôt général. À la bataille, je combattions les ennemis de la nation. Ok. Ok. Allez, go, quand tu veux, on y va. Allez, bon, écoutez. Ah, par contre, je te préviens d'un truc, au cas où tu sois pas trop d'accord. J'ai tendance à faire des séquences... Bêtisier. Bêtisier. Je viens d'en faire une. Ah ouais? Oui, t'as pas vu le bâton? J'ai fait genre que je tapais sur toi et tout. Ce que tu viens de dire. Bah nickel, alors on va s'entendre. Y'a pas de soucis. Par contre, ça va à la fin d'une vidéo. Oui, oui, moi aussi, c'est ça. C'est... Au début, je préviens, bêtisier en fin de vidéo. Genre en mode comme l'intro que t'as mis d'Amixem, tu vois, par exemple. Et Très belle couleur de cheveux. Merci, je te remercie. Je suis en direct là aussi. L'Oréal. N'empêche, c'est vrai, la meuf de L'Oréal, elle a une couleur comme ça des fois. Ouais. Attends. Ah ouais, carrément. Oh putain, bêtisier à fond. Ça filme depuis tout à l'heure. Voilà des Bouddhas, voilà des Bouddhas, voilà des Bouddhas. Pour les Alsaciens, les Sicilais.